Oh, le H pour Un voisin d'enfer saison 2, épisode 3, un petit cochon. Ah, ce magnifique générique. Alors, donc là vous voyez qu'un petit cochon s'est logé dans l'entrée. Donc tout de suite, bah il n'y a rien dans la commode, donc pas la peine de fouiller. Ensuite, aller fouiller directement dans la poubelle pendant que le voisin dort. Et ouvrez le frigo. Ensuite, redescendez pour aller prendre des punaises sur le tableau. Et vous voyez qu'il y a, il y a toujours le perroquet en haut. Voilà, petite erreur de manipulation. Donc le cochon, par contre, ne fera pas de bruit. Donc pas la peine de marcher silencieusement à côté du cochon. Le cochon n'en a rien à faire. Donc il n'y a rien dans la pharmacie. Pendant que le voisin va préparer le biberon pour le cochon, oui, bah ne faites pas du tout ce que je fais, mais allez plutôt vous cacher ou remonter de l'autre côté, parce que là j'ai eu un petit coup de pression. Voilà, donc là marchez tout doucement à côté du perroquet pour aller prendre le paquet de chips mexicaines épicées. Et ensuite, allez examiner le jeu de chimie. On se demande ce que ça fait là, honnêtement. Voilà, donc là, le voisin remonte pour reposer le biberon. Là, faites attention parce que vous voyez, il y a un pot de chambre en dessous. Un pot de chambre qui déborde. Et donc, il est impossible de se cacher dans ce pot de chambre. Voilà, donc, allez prendre le cactus qui est sur la table dehors, sur le balcon. Et restez sur le balcon. De toute façon, le voisin n'ira pas sur le balcon dans cet épisode. Donc, même si on ne peut pas se cacher sous le lit, on a au moins ça pour pouvoir se cacher près de lui. En fait, le pourquoi aussi on ne peut pas se cacher sous le lit, c'est parce que le voisin va dormir justement sur le lit. Donc, c'est un peu, ça serait un peu bizarre. Et là, on s'aperçoit que le voisin a un dentier. Donc là, très très vite. Pendant qu'il dort, on marche tout doucement, on va examiner le truc au mur pour prendre les clés. On va placer le cactus sur son réveil. Faites ça toujours avec le clic droit pour marcher silencieusement, parce que n'oubliez pas qu'il est juste à côté. Ensuite, utilisez la sauce piquante dans le verre à dents et partez tout de suite. Toujours silencieusement. Ensuite, une fois que vous êtes en bas, voilà, le voisin, les pièges commencent. Dirigez-vous vers la cuisine et placez les chips mexicaines épicées dans la boîte de tortillas. Ensuite, placez de la nitroglycérine à la place de la bouteille de lait. Puis, descendez et utilisez la petite clé pour ouvrir la cage au cochon. Maintenant, placez... Non, ne placez rien. Attendez que le voisin se dirige vers la salle de bain. La salle de bain, la cuisine, je dis n'importe quoi, pour remonter dans la chambre. Donc, n'oubliez pas que le biberon est rempli de nitroglycérine. Déjà que le cochon a fait caca par terre. Voilà, donc placer une peau de banane sur sa chambre, sur le sol de sa chambre, et des punaises sur son lit. Et nous avons fini de placer tous les pièges. Donc là voilà, le biberon explose, parce que s'il avait donné à boire au petit cochon, c'est le petit cochon qui aurait sûrement explosé, et ça aurait été un véritable carnage. Je vous laisse imaginer. Voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à savourer un petit peu. Donc là il va donner un petit tortilla, je sais même pas exactement ça correspond à quoi. Bref, il va le donner un gâteau au perroquet, mais nous avons remplacé ça par des chips mexicaines très épicées. Et lance-flamme. Ensuite, le Mexicain, mais je dis n'importe quoi dans cette vidéo, je mélange tout. Bref, le voisin glisse sur sa peau de banane. On sent qu'il est très énervé. Il n'en peut plus.
Voilà, donc maintenant il replace les clés, il va remettre son dentier et il va s'allonger sur son lit plein de punaises. Et voilà, nous en avons fini avec cet épisode. Donc nous avons atteint les 100% avec un total de 7 tours. Donc maintenant vous avez toutes les clés en main pour réussir cet épisode. Donc je vous retrouve la prochaine fois pour l'épisode maintenant barbecue. Allez, salut.